friend once said, the memory of a single man is a fortress, more complex than the vastest of cities. But we invented a key to the fortress. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 10e épisode du Let's Play sur Remember Me. Alors, je suis un peu désolé, en fait, j'étais pas sûr d'être arrivé au point où on s'est arrêté la dernière fois. Et en fait, si, du coup, j'ai avancé un tout petit peu, mais genre, j'ai tapé sur... Un seul ennemi, un enforceur d'élite, ou je sais pas trop quoi. J'ai fait 10 mètres, mais du coup ça a sauvegardé là, donc je suis désolé. Alors la dernière fois, on avait réussi donc à s'approcher de Memorize, et donc notre objectif là, c'est d'empêcher l'espèce de conversion, de je sais plus comment ils appellent ça, de reconversion je crois. En gros ils veulent utiliser les Leapers pour les contrôler et s'en servir comme char à canon et petite armée qui leur coûte rien puisque ce ne sont pas des hommes à eux, ce sont des déchets qu'ils vont utiliser pour taper sur les autres. Voilà en gros où on était la dernière fois. Et donc on va essayer de... Ah bah non, le voilà. Moi j'ai vraiment fait encore moins que... Prépare d'un forceur, frère. Ah oui, d'accord. Vous voyez qu'on perd de la vie en fait en le tapant. Une overload. Ah, on a fait claquer quoi. On a quasiment plus de vie. Ce qui est très cool. Comment on fait du coup pour les avoir? Non, on traverse des bureaux mais... Je peux même pas aller derrière. On est dans une usine à robots. Pas un deuxième parce que alors là on est capote. Hein. Ah. Oh oh. Ah, j'ai vu le truc. Oh oui. Ça va être ici. Comment faire? Ah oui, d'accord. C'est pas mal ça. Ah, en fait, il suffit de... D'accord, c'est l'inverse en fait. Fallait le laisser à l'extérieur et pas l'enfermer. Ok. J'ai tellement l'habitude de les enfermer, ces trucs-là, que... Hop, 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 fais demi-tour. Ok. Ah non, juste. Attendez, du coup on va observer un peu plus. Donc lui il fait son petit aller-retour. Ok, mais l'autre va jusque là. Ok. Donc là on va par là. Ensuite ici, on ouvre ça. Lui normalement on ne rentre pas dedans. Donc là il va rentrer. Ok. D'accord, donc maintenant il va falloir enfermer l'autre. Celui-ci pour qu'on puisse passer à droite. Et du coup qu'ensuite on puisse enfermer les deux. Non, lui on n'avait pas besoin de l'enfermer, on a juste à passer une fois qu'il est à l'intérieur. On va plus nous embêter. Par contre on va falloir qu'il se dépêche. Allez, cours. Voilà. L'administration. Ah ah ah. Ah bah oui, non, comme on est dead, on a récupéré notre vie, ça c'est cool par contre, oh, c'est très beau. Edge, je suis face au siège de Memorize. L'eau a noyé les premiers étages. J'entre comment, gros malin? T'as bientôt fini de râler. Il y a un accès réservé sur le toit du bâtiment. Tu vois, j'ai tout prévu. Ouais, en fait il connaît tout, il a vraiment tout calculé depuis le début. Si tu avais vraiment tout prévu, j'aurais pas fini en tôle pour meurtre. Boum. Je
de super pouvoir. D'accord. On va recommencer. Il n'y a rien ici. Donc a... C'est très très beau ce bâtiment là. Ils se font plaisir, Memorize. Et la petite tour est pas juste à côté. Pas semblant. Bon, je suis désolé, un souci de saut là, elle a une flemme, je sais pas. Ça c'est extrêmement long à déplacer en plus. C'est juste un test pour être sûr que ce soit bien là qu'elle doit être. Oui. Ah bah voilà. Hop, on va où? Là. Wow, sacré saut. Ah, il y a une échelle juste à gauche. Eh, reviens. Mais elle est sérieuse ou quoi? Arrête-toi. Voilà, merci. Waouh. Elle est dissidente, Nilin. Donc, bon, j'imagine qu'on va devoir faire pivoter là si on nous demande, si on nous propose. Voilà. Et hop. J'ai cru que c'était la main de quelqu'un. Marche pas. Est-ce que tu aurais un plan B? Je décrypte leur message. Le bâtiment est verrouillé. Tu dois trouver un capitaine Trace et voler ses codes d'accès. Fais gaffe, Frangine. Il est dérangé et dangereux. Ok. Il faut bouger. Où je peux le trouver? Laisse-moi le temps de localiser sa position. Sérieux ou là? Oh oh. Ah, je crois que le là, non? Salut Nilin, je te propose un petit jeu. Tu te rends sans résister, mais je t'abats quand même. Le capitaine Trace. Il m'a trouvé. Ouais. Moi j'aime pas ces phases là dans les jeux. Ça va le mec qui tire comme une tanche. Ah ouch. Joli réflexe. Heureusement qu'il y a un hélico le gars, il peut pas aller trop. Un petit truc comme ça. Ok, donc le mec savait où on était quand même, c'est un peu bizarre. Ça va de par... Pas par là en fait. Un petit peu plus sur la droite. Wow, je sais pas où je vais, hein. Je saute mais c'est... Wow. Allez. Ok. Avec un panier rempli à rats. Il est sauvage lui, mais il nous en veut un peu. Je sais pas qui c'est, hein. Je sais pas, on le connaît pas. Nous. Normalement, on l'a pas vu encore. Mais un grand méchant loup était là. Oh, il a un grain, il se prend pour le grand méchant loup. Il l'attendait dans les bois. Ouch. Ah ok, on a dû aller un peu vite parce que visiblement le... la plaque métallique nous a sauté à la figure. En plus de, des tirs derrière. Hop. Elle s'en allait voir Merlin avec un panier.
Ah mais c'est nous le chaperon rouge. Oh, l'espèce de chaperon rouge. Mais un grand méchant loup était là, qui l'attendait dans les bois. Ok, on a bien fait d'attendre. On va aller trop vite en besogne. Ah. Bon, on va en face, je crois. Ah ouais. Ok. Allez. Et là-bas, il y avait un truc. C'est quoi? Ah oui, d'accord. C'est bon? Pas quelque chose à récupérer ici? Wow. Non, je crois que... D'accord, en fait... Ah oui, d'accord. Ce truc est descendu, donc c'est bon. Là... Tu vois, c'est croulé, non? C'est bon, on devrait être tranquille. Pour quelques secondes, en tout cas. Ah, ça, là. 5 sur 55. Scaramèche. C'est un Pokémon. Je crois que j'ai déjà... Ce qui me vient plus souvent dans la tête. Quelle petite connote tu as. Il est bizarre cet homme là, hein, en vrai. Ok, là c'est suis la route et ne tombe pas. Oh, genre il enlève le truc sous nos pieds. Donc faut aller plus vers la droite. Et toi, Lilim, quelle petite connote tu as. Là. Hop. Ok, j'ai bien senti le coup de. Wow, wow, wow. Non, non, non. Il n'y a plus personne devant, qu'est-ce que... Il n'y a plus rien, plus... Et toi, comment on fait? J'ai pas vu. Quelle petite connote tu as. Alors là, on va sur la gauche, et ensuite, il faut qu'on aille sur la droite. Ici, et... Et là, du coup, il faut aller plus par là. Voilà. Ah, donc pas. Là? Non? Bah mince! J'ai essayé à droite, on va essayer à gauche. J'ai sauté contre le mur, mais ça ne sert à rien. Quelle petite chute. Oui, 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 calme toi. À droite toute, hop, en face, et ensuite sur le milieu, voilà. Et du coup là, ah d'accord, j'ai vu que la rambarde était, il y avait une petite truc sur la rambarde, mais... Le saut me paraissait loin, mais bon, visiblement, il est costaud. Quelle petite connote tu as. Alors, on a dit à gauche, ensuite tout à droite, avec un saut tout droit, et ensuite un saut centre, et ensuite un saut... Oh, le slow-mo et tout. Oh là là, ce saut de la classe. Un enforceur. Attendez, c'est quoi le truc? Ah oui, c'est ça. Allez, on enchaîne les combos. Ouch. Attendez. Oh ouais, une petite furie. Bon, bah ça c'est fait. Oh, c'est pas drôle. C'est bon, l'autre va débarquer, non? On va où? Ah. Ok, on va à droite. Quoi, quoi, quoi? Ah oui. Encore, on continue. À gauche encore, l'angle, ensuite derrière. Saute! Trace! Lève-toi! Ah d'accord, ok. Ça me surprend parce qu'il y avait des petites flèches à droite comme si on devait y aller. Ah c'est peut-être un... Ouais, pour nous attirer là et... Ça s'appelle du level design. Bien joué. Bien joué les développeurs. Mais barre-toi, il y a un fou dangereux dehors, là, le robot. Oh oh. Il va être dedans quasiment. Il va pas nous tirer dessus quand même. Okay. Oh oh, cela, je sais pas trop comment faire. Hein. Un autre. Voilà. Et du coup, donc l'autre en blanc, on va l'éviter pour l'instant. Ah, il en a un aussi lui. Non. Ah non. Oh punaise. On a perdu toute notre vie quasiment.
comment on fait pour... Non mais c'est pas vrai. Ça change tout seul, ça m'énerve. J'aime bien parce que l'hélico il attend docilement. Voilà. Tu vas pas me faire danser du tout toi, t'as raison. Par contre, je suis un peu embêté pour le... Non! Comment faire pour l'avoir lui? Si on le dédose... Attendez, je vais faire dédose, sensendose. D'accord, lui il est indédossable, si je puis m'exprimer ainsi. D'accord, je ne vois pas comment avoir l'autre en blanc sans crever en fait. Ou alors d'être absolument pas touché par les autres. Ok. Oui, on va s'en occuper en attendant que la barre se remplisse ou taper. Voilà, c'est bon. La laisser pour faire. Hop. Oh, le deux coups en un. Yeah. J'ai couru vers le mec. Petite overload. L'autre tout seul, il est pas des deux seuls. Je sais pas comment... On est obligé. Ce serait bizarre quand même qu'un ennemi soit absolument obligé de nous toucher pour nous tuer. C'est bizarre. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une bombe logique? Rusty une piche, plus que c'est que ça. Là, si c'est pas pour contrôler... Ouais. Et du coup... Ok, ouais, bah si en fait, on est obligé de quasiment claquer pour l'avoir. C'est très bizarre comme idée. Je trouve ça, je sais pas ça terrible honnêtement. Moi ça m'enquiquine un peu de devoir quasiment mourir pour tuer un ennemi. À moins qu'on trouve plus tard un système pour éviter ça. Eh hey, oh. Attends, qu'est-ce qu'il fait lui? Coup de pied, oui c'est ça. Et overload. Oh, j'aime bien ça, quand ça change un peu. Ah, j'avais jamais fait gaffe qu'on voyait autant toutes les petites images comme il y a quand on fait un DDoS. J'ai jamais fait attention. Ah là là. Néline, arrête de jouer avec ce crétin. S'il te prend par surprise. Ouais, ok, j'ai ma dose de commentaires, merci. Vole. Allez, tais-toi. Sa cervelle d'oiseau et trouve Scylla quartier Wells. Je crois que j'ai une idée. Reste sur le coup, frangine. Ce type ne rigole pas. Non, sérieux. D'accord. C'est un test. Ok, c'est direct. Tu passes dans la lumière, tu meurs. Ok, j'ai fait un faux pas. Ok. Ah oui, il est nerveux même sur les pigeons. On peut passer par là, j'imagine. Ouais. Hop.
Oh, le saut. Alors là, va faire tout petit chaperon rouge. A fait de quoi? De botter le cul. Ok, Edge. Tracé au tapis. Et j'ai le code d'accès. Pas le temps de distribuer des bons points, Frangine. Tu dois trouver Scylla Cartier-Wells et la persuader d'abandonner le projet reconversion. Go! Waouh! Bon, bah du coup, on a réussi à lui piquer ce qu'on avait besoin. J'imagine qu'on va le revoir plus tard parce qu'il est pas mort a priori, on l'a pas vu la grosse explosion, d'ailleurs je m'attendais un petit peu à voir ça. Donc j'imagine qu'il va vouloir se venger tout simplement. Du coup on va aller voir Scylla Cartier-Wells dans le prochain épisode j'imagine. D'ici là j'espère que cet épisode vous aura plu, alors on avance petit à petit, j'ai vu qu'on était à peu près à 48% du jeu, donc encore quelques épisodes à venir. Hein. Et voilà, donc j'espère que voilà cette petite aventure vous plaît. Moi j'aime beaucoup, je trouve que l'histoire est très intéressante, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer plus tard. Et surtout la fin, je me demande comment... Bon, j'imagine que ça va très bien se passer, mais j'imagine ce qui va se passer avant que tout se passe bien. Donc voilà, donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas également à commenter et ou à partager. C'est important. Et surtout aussi à vous abonner pour voilà pour me soutenir, ça fait toujours plaisir, c'est de la motivation en plus. D'ici là, bah, portez-vous bien, moi je vous dis donc à très bientôt pour la suite de The Let's Play ou pour d'autres vidéos. Ciao ciao.